L'histoire du cheval. Braves gens, écoutez ma complainte, écoutez l'histoire de ma vie. C'est un orphelin qui vous parle, qui vous raconte ses petits ennuis. Udon Un jour, un général, ou bien c'était une nuit, un général eut donc que deux chevaux tués sous lui. Ces deux chevaux, s'étaient eu donc que la vie est amère. C'était mon pauvre père et puis ma pauvre mère qui s'étaient cachés sous le lit, sous le lit du général qui s'était caché à l'arrière dans une petite ville du midi. Et le général parlait tout seul la nuit, parlait en général de ses petits ennuis. Et c'est comme ça que mon père et c'est comme ça que ma mère eut dans une nuit son mort d'ennui. Pour moi, la vie de famille était déjà finie. Sortant de la table de nuit, au grand galop, je m'enfuis. Je m'enfuis vers la ville où tout brille, où tout luit. En moto, j'arrive à Saby en paro. Excusez-moi, je parle cheval. Un matin, j'arrive à Paris en sabot. Je demande à voir le lion, le roi des animaux. Je reçois un coup de brancard sur le coin du naseau. Car il y avait la guerre, la guerre qui continuait. Et plus la guerre continuait, plus les vivres diminuaient. Et plus les vivres diminuaient, plus les gens me regardaient avec un drôle de regard. Ils m'appelaient Biftek. Moi, je croyais que c'était de l'anglais. donc, Tous ceux qui étaient vivants et qui me caressaient attendaient que je sois mort pour pouvoir me bouffer. Une nuit dans l'écurie, une nuit où je dormais, j'entends un drôle de bruit, une voix que je connais. C'était le vieux général, le vieux général qui revenait, qui revenait comme un revenant, avec un vieux commandant. Et il parlait tout doucement, il croyait que je dormais. Assez, assez, assez de riz à l'eau. Nous voulons manger de l'animal. Il y a qu'à lui mettre dans son avoine des aiguilles de phono. Alors mon sang ne fit qu'un tour comme un tour de chevaux de bois, et sortant de l'écurie, je m'enfuis dans les bois. Aujourd'hui la guerre est finie, le vieux général est mort, mort dans son lit, mort de sa belle mort, mais moi je suis toujours vivant et c'est le principal. <laughs> bonsoir, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, mon général.